voulais arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Lorenzo est un athée, il se moque de tout. Si le gouvernement de votre Altesse n'est pas entouré d'un profond respect, il ne saurait être solide. Comme une fumée malfaisante, la souillure de son cœur lui est montée au visage. Il est glissant comme une anguille. Il se fourre partout, il me dit tout. N'a-t-il pas trouvé moyen d'établir une correspondance avec tous ces Strozzi de l'enfer? Si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république. La plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre. Qu'ils aient pour eux le peuple, et tout est dit. Je te gage que ni eux ni le peuple ne feront rien. Que voulez-vous que fasse la jeunesse sous un gouvernement comme le nôtre? La République! Il nous faut ce mot-là! Les Médicis gouvernent au moyen de leur garnison. Ils nous dévorent! Comme une excroissance vénéneuse dévore un estomac malade! Déclare Florence indépendante! Réclame exécution du traité avec l'Empire! J'en ai assez d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain! Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est! Apprenez qu'il a dit ce soir à deux personnes de ma connaissance, publiquement sur leur terrasse, qu'il vous tuerait cette nuit. Vive la liberté! À la mort des Médicis! J'aime Lorenzo, moi! Et pour la mort de Dieu, le restant ici! Êtes-vous sûr que le ciel est vide? Pourras-y faire grossir votre pourpre elle-même? Il s'agissait bien d'aller réclamer justice! Il s'agissait d'assommer Alexandre! Qu'est-ce qu'il y a de changé aujourd'hui? Tais-toi, insolente, sors d'ici! Adieu, France! Malédiction sur la dernière couche de ton sang corrompu! Maurice, choisis vos paroles, c'est moi qui vous le dis maintenant. Mordons! Mordons et mangeons! Qu'est-ce que tu es, ma sœur? Notre nouveau Brutus!